Wesh l'équipe, aujourd'hui on sauve l'Angersco sur FIFA 23. T'as bien compris le concept, aujourd'hui on sauve l'Angersco. Ils sont derniers de Ligue 1, on va tout faire. Je fais pas beaucoup de carrière sur mon TikTok, donc je me suis dit que sur YouTube c'était le moment d'en faire. On va vite fait créer le personnage. Sylvain, c'est Sylvain l'Angeois, parce que les Angeois c'est ceux qui habitent à Angers. J'ai un peu la flemme de le modifier, donc on va juste lui mettre une casquette. L'équipe a 11 millions de budget. Pour 11 millions, je sais pas si on va faire grand chose, mais on va essayer de faire notre maximum. Non mais regardez-moi ce niveau de cette équipe. Notre meilleur joueur c'est Sima et en plus on l'a même pas, il est en prêt. Écoutez, on va s'organiser simplement, facilement. Tous ceux qui sont mauvais en vent. Les milieux défensifs en vent parce qu'on veut pas de milieu défensif. Lui il a 68 de général mais c'est pas possible, en vent, dehors. Ce qu'on va chercher là c'est des milieux et un MOC, c'est le plus important. Allez, j'envoie le recruteur pour un MOC, j'envoie un recruteur pour un milieu. On avance de quelques jours, n'hésite pas à t'abonner, c'est ma première vidéo et tu peux aussi liker, ça fait plaisir mon ref. Attendez, il y a un problème, ils m'ont donné les mêmes noms. Mais c'est qui, moi je les connais pas. Écoutez, honnêtement je pense qu'on va pas aller très loin. Je connais des bons recruteurs et c'est vous. Donc je vais vous demander directement sur TikTok en live. Yo les gars qui rejoignent, j'ai besoin de vous. Voilà, si vous êtes là, j'ai besoin de vous. En gros, je vous explique, je suis en tournage d'une vidéo sur YouTube. Et là, il me faut un milieu offensif et deux milieux centres. Aidez-moi, aidez-moi. Les recruteurs, ils me proposent que des trucs nuls. Donc, proposez-moi vous. Peut-être que je pense que vous êtes des meilleurs recruteurs. On va aller voir El Arouche. Doué, doué, ça j'aime bien d'être doué. Ok les gars, on m'a proposé quelques noms. Notamment Mohamed El Arouche, Désiré Doué et Warren Zahir Emery. On avance de quelques jours, on a des offres de vente. Soit faut que tu partes. Et surtout les gars, on a reçu les rapports. Les gars, on va aller chercher Zahir Emery, je vous le dis. 3,7 millions. On va directement se rendre pour la négoce. Écoute, je vais demander 3 millions. Moi je veux pas plus, pas moins. Avec une clause de revente. Et en vrai, on va accepter. Voilà les gars, notre premier joueur, Zahir Emery, la première recrue. On va essayer de lui donner un petit salaire parce qu'on est vraiment des rats, je vous rappelle. Non, en vrai, on est généreux. 10 000. Voilà, prends ton argent, mon jeune. Prends ton argent. Et les gars, il rejoint officiellement l'équipe. On va voir s'il arrive à faire la diff. Un petit 3 millions, c'est pas trop cher. Un peu quand même. Je sais pas combien il va monter, on va lui mettre relayeur. Et directement, il va remplacer Mendy. Un autre joueur que j'aimerais aller chercher, c'est Désiré Doué. On va se concentrer essentiellement sur les jeunes. On va directement aller négocier avec Rennes. Ils ont accepté pour 4,1 millions. On va aller très vite. Directement, on va aller négocier. Je propose 3 000 de salaire. Et voilà, c'est accepté. Désiré Doué qui rejoint notre équipe. On a deux jeunes de suite qui arrivent dans l'équipe. Ça, ça annonce du lourd. Ça annonce du très lourd. Donc voilà l'état de l'équipe pour le moment. On a clairement plus d'argent, mais on va essayer de vendre. On arrive déjà à faire une première vente. On arrive au premier match de la Ligue 1. On va faire confiance à notre équipe. Peut-être que j'aurais pas dû faire confiance à mon équipe. C'est pas grave, faut qu'on se ressaisisse. Tous ces joueurs, ils vont s'entraîner, ils vont devenir trop forts et ils vont tout casser. On arrive face à Clermont Foot. Difficulté légendaire, on va jouer les temps forts. On a un objectif clair et net, c'est de sauver Angers. Voilà, tu vois, directement, on a une occasion directe. Mais cours, courez, oh, courez, non. Non, mais c'est... Oh, les gars, non, en fait, on va jamais réussir à faire ce challenge, ils sont trop nuls. Et là, on va y courir, il a pas couru de 2 mètres. Pas grave, tacle, tacle, moi, tacle. Voilà, beau tac. Voilà, c'est à nous d'avoir une action, parfois ça arrive. Et attention, son ballon dangereux. Voilà, trop facile, trop facile. Et c'est réussi, ce difficulté légendaire. Alors là, je sais que je suis pas un très bon joueur, mais là, quand même, trop facile pour nous, quoi. J'ai envie de faire tirer Zahir Emery. Il est vraiment mauvais en coup franc, mais tu sais quoi, on va essayer. Ok, j'ai tiré trop fort. On a un pénalty, 89ème minute. J'ai vraiment envie que Zahir Emery marque, donc on va le faire tirer. Non mais c'est beau, c'est trop, t'es tout gaze. Écoutez, petite victoire 1-0. On va directement simuler la saison. Voir ce que va faire l'Angersco, quoi. Les gars, j'ai simulé toute la saison. L'équipe qui a pas du tout progressé. On a quand même Désiré Doué qui est passé à 74. Et Zahir Emery aussi. Les gars, j'ai peur d'aller voir le classement. Ok, 13ème, en vrai ça va, j'aurais pensé vraiment pire. Le premier c'est le Paris Saint-Germain, c'est même pas étonnant. Je pense vraiment que ça va être ça, toute la difficulté, c'est de gagner face au Paris Saint-Germain. Et les statistiques, c'est Nian qui a marqué le plus de buts. C'est triste parce qu'il part l'année prochaine. Et le deuxième c'est Sima qui part lui aussi, ça va être dur. Eh, hein. Désiré Doué qui aurait quand même marqué 3 buts et 4 passes D. Et Zahir Emery 2 buts. Hein. Écoute, on va directement aller jusqu'à la prochaine saison, voir on a combien de budget. Ça va pas être tout de suite l'Europe. Mais au moins on n'a pas été relégué. Tu vois, faut voir le bon côté parfois. On arrive directement à la deuxième saison. Les gars, on a plus personne. Nos deux joueurs stars, ils sont partis. On a quand même 15 millions de budget. On va pouvoir faire quelques trucs. Mais ça sera pour le prochain épisode. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ton avis sur cette première vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.